Alors bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Hello everybody, hello everyone, I hope you are doing well. Et hola a todas, espero que estéis bien en buena salud. Comme d'habitude, on va commencer par les quelques mots d'actualité. Ah oui, alors non, je ne vous ai pas dit, on est sur notre live numéro 5 aujourd'hui. C'est l'avant-dernier. Estoy encantada de estar con usted por el live 5. I'm happy to be with you for this live number 5 of our Autumn Crown. Oh, j'ai deux retards, Christelle. Je vais devoir Oui, elle est en train de broder avec moi en ce moment. pédaler. Et bah, t'as pas trop de retard quand même. Ben, quand même, j'ai Hein? troisième live. Ouais, je suis sûre que si tu leur demandes, il y en a pas mal qui sont pas encore au troisième live. Vous en êtes où, vous, dans votre avancée sur la couronne? Est-ce que vous attaquez le nouveau live avec moi aujourd'hui? Quatre soleils veut entendre Marie nous avec son bel accent canadien. Mais vous allez l'entendre parce qu'elle va vous parler après. Donc quelques mots pour vous. Ben oui, je voulais vous parler de l'actualité. Ben non, l'actualité, c'est d'abord Marie qui est avec nous aujourd'hui et qui a des petits mots à vous dire. Et pendant ce temps-là, je vais préparer mes fils, moi. Allez, Marie, c'est à toi. Comme je te disais, Christelle, pour moi, c'est tout un honneur et c'est une reconnaissance d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais toutes vous saluer et plus particulièrement mes amies qui sont les Joyeuses Brodeuses du Québec. Alors, il y a tout un parcours, hein, comment s'est développée notre amitié. Avec les copines, on brodait le cahier de broderie rouge. Et il y avait un point, on ne comprenait pas les explications, le Comment point. tu veux dire qu'elles sont pas bien faites, mes explications? Non. Oui, mais il n'est pas facile celui-ci. Ouais, le point de couchure. Le point de couchure en bottes rebrodées. J'ai retrouvé le mail de Christelle et finalement, elle m'a répondu et elle m'a fait un live privé. J'avais eu Ouais. le privilège d'avoir une démonstration et suite à ça, il y a une amitié qui s'est développée entre nous. La pandémie est arrivée. Ben ouais, on y était même presque, hein. Enfin, c'était à Ouais. quelques jours, hein. Et après, tu as commencé tous les lives. Et Christelle s'est beaucoup préoccupée des gauchères. Dont je fais partie. Pour moi, c'était compliqué parce que j'avais suivi des cours et la broderie, je mettais toujours de côté parce que j'étais gauchère. Alors, au départ, dans tes lives, Christelle, tu nous expliquais avec la main droite Ouais. comment faire pour les gauchères. Ouais. Et par la suite, je crois que ton amoureux a Oui. fait la découverte du siècle, hein, l'amoureux. Il a trouvé en inversant l'écran un outil qui est un outil tellement précieux pour moi et puis je suis certaine pour toutes les Bah, gauchères. c'est sûr. Écoute, moi je disais à Christelle hier soir, c'est ta marque de commerce parce que moi je connais personne d'autre qui est capable de nous enseigner de cette façon à faire tous ces points de broderie Ouais. et nous aider et nous supporter dans cette démarche. Alors pour moi, peut-être que par moment les droitières disent pourquoi les gauchères? Les gauchères peuvent dire pourquoi les droitières? Alors, dans cette amitié-là, on a communiqué, on a papoté, puis à un moment donné, Christelle disait je vais faire. Salomé, l'anti-âge, Salomé, je sais plus Elles sont trop. pas sorties encore, nos petites Salomé étrangères. Ouais, je t'en avais parlé, ouais. Et moi, je lui ai dit, pourquoi tu fais pas Salomé qui visite le C'est Québec? ça, Salomé la Québécoise. C'est ça. Et elle a sorti le modèle, on a discuté, je lui ai envoyé des photos. Et cette petite Québécoise, elle est née. Ah, vas-y, Elle est regarde, tu la née. montres là. Je sais pas si vous la Ouais. voyez, Ah, ouais. elle est magnifique et t'as très bien rendu. La Québécoise, le tonneau, la goudrelle dans laquelle les gouttes de l'eau d'érable coulent. Ici, c'est pour faire manger la tire sur la neige. Et on voit vraiment l'atmosphère de la cabane à sucre. Tu m'as aidé dans la création de ce modèle, hein. C'est toi qui m'as dit Ouais. un peu ce qui était représentatif. Il y avait la fleur de lys aussi, hein, Ouais, c'est la ça? fleur de lys, c'est du Québec. Ouais. Alors, pour moi, ça a été encore un privilège de pouvoir échanger avec toi et de voir un peu comment tu procédais.
Et au mois de mars, on s'est rencontrés en vrai avec Karim Au à salon. l'Aiguille en À Fête. l'aiguille, en fait, ouais. Et là, ça a été notre première rencontre, Ouais. ben, comme De ça, visu, de pour de visu, vrai, c'est ça. ouais. Et par la suite, bon, j'avais le projet de venir en France au mois d'octobre et tu m'as invité, tu m'as permis de découvrir ton univers, de Ouais. découvrir ton processus de création, de passer des bons moments dans ton atelier, broder avec toi, broder avec la coupe de champagne pour Ah, c'était célébrer, l'avant-hier c'est soir, ça, célébrer ton anniversaire. ça. Enfin, pour tout ça, Christelle, ben, je te remercie de notre amitié, puis je te remercie de m'accueillir. Ouais, c'est gentil. Et Karim aussi, je te remercie. Alors, Ouais. ben, je vous salue toutes. Eh ben merci Marie, c'est super gentil. Marie, elle va rester avec nous, elle sera juste à côté, puis elle va m'aider à présenter des choses et puis elle pourra me poser des questions en direct aussi si elle a des questions tout simplement, peut-être de choses qu'elle verrait là ou ouais, dis-moi. Ah, mais je peux vous dire que le privilège d'être dans l'atelier, c'est comme la petite fille dans le magasin de bonbons. Ouais. il y en a partout. Ben Il y a ouais. des bonbons, Et oui, ça c'est les bonbons, Oui, c'est pour Karim. So sorry, this is my friend. She come from Canada, Quebec, and she just explained the beginning of our relation. And perdone porque es en francés, es mi amiga que viene del Canada y que hablas de, no sé cómo se dice en español, de la historia de. Comment on dit en espagnol, je ne sais pas. Nosotros, comment on dit amitié, mesdames les Espagnols. Amitié, Bon, allez, c'est bon. On va y aller. Donc, Marie, elle s'est présentée. Donc, on voulait vous parler des chaussettes pour notre jeu concours. Vous savez que. Alors, attendez, c'est le bon doigt, il est là. On est au salon de création et savoir-faire, le salon du Dail, hein, au mois de novembre. I just speak about the fair in Paris. From November 16 to 20, le salon du 16 au 20, y hablo de la feria que se va en París del 16 al 20 de noviembre. Donc, on vous a proposé le. C'est ma souris. On vous a proposé de participer à notre jeu concours des chaussettes. Alors, ça y est, on en reçoit. Marie, tu vas bien vouloir me les passer un Oui. petit peu au fur et à mesure. On va vous les montrer, puis tu pourras enlever peut-être ma tête, mon amoureux. So, which suggests you that your shoes one or more old socks from your drawer? It takes. Sugerimos que elijas uno más calcetín viejos de tu cajón. Donc, le principe, c'est que vous y brodez le motif de votre choix et vous l'envoyez à l'atelier avant le 1er novembre. Tu me laisses ma souris parce que sinon, je ne vais pas y arriver, mon Est-ce que je amoureux. montre les chaussettes ou pas? Oui? Ok, donc je pense que Ok. c'est bon. Donc, Alors, c'est les chaussettes d'Elsa Boissier. Voilà, on vient de recevoir les chaussettes d'Elsa Boissier pour le concours de nos chaussettes. Donc, qu'est-ce que j'ai pas dit? Que toutes les chaussettes, donc, elles sont exposées au salon et elles vont faire l'objet d'un vote. Regarde, tu peux les laisser, puis comme Oh, ça, on les pose pardon. au fur et à mesure. All socks will be exhibited at the show and will be voted on a daily by visitors. Regarde, on va enlever ça. Pardon. Comme ça c'est qui? Ça, c'est Madame Bortol. Bartoscusi. Voilà. Je Merci. m'excuse pour le Ouais, nom. on a vos petits mots avec les enveloppes. On ne va pas lire tous les mots, mais en tout cas, regarde, tu peux m'en proposer une autre. Todos los calcetines se exhibirán en la feria y los visitantes los voltarán. Un bon d'achat de 100 euros. Hein. Vous pourrez gagner. Ça, c'est qui? C'est C'est Claire Claire. Soutière, Soussière. merci Claire. Ah, vous vous mettez des petits. Il est beau ce chat dans l'aiguille. Ouais, t'as vu, c'est le logo Ouais. du chat ici. Ouais. On peut les remettre dedans ou donne-moi Ouais. peut-être une autre pochette le temps que tu les ranges pour pas qu'on se trompe. Hein. C'est Non, mais important de ça pas se va. tromper. D'accord. Parce que si on fait gagner quelqu'un d'autre, ça va pas aller. Ça va les chaussettes? Alors, ça, c'était. Oh, c'est trop mignon, ça. Puis, j'ai des petits mots. Alors, c'est qui, ça? C'est sur l'enveloppe. C'est.
C'est Marie-Estelle Schuller. Voilà, alors on va peut-être pas toutes les montrer, hein, mais ça y est, on commence à en recevoir, donc on compte sur vous. Et puis, bah, je vous invite à partager donc vos ouvrages sur le groupe. Hein. Voilà, donc I suggest you to share your idea and your progress on the context group et los invito a compartir sus ideas en el grupo. Ouais, il y en a vraiment des jolis. Voilà. Bah, pour l'instant, ça va. Et puis, la semaine prochaine, je montrerai les suivantes. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il nous reste 2 jours avant la sortie de notre box bien-être. Elle sera disponible sur notre site internet. Je crois que c'est vendredi. Ouais, tu peux la montrer, puis tu diras ce que tu en penses. Oh, c'est le bien-être. Only 2 days and our wellness box will be available on our website. Y solo quedan 2 días y nuestra... Ça sent bon. T'as vu, ça sent la lavande. Mm. Cette fois-ci, tu peux enlever tes lunettes et tu mets dessus. Corinne nous pose la question. Ouais. Vos modèles, on fait comme on veut. Donc, il faut répondre à Corinne qu'on fait ce qu'on veut sur les chaussettes. Je vais dormir. Je vais m'endormir. Sur les chaussettes, vous brodez ce que vous voulez. Soit un motif du chat, soit on a eu plein de petits motifs super originaux. Vous vous lâchez, puis vous en brodez. Il y a une dame, elle nous en a brodé 4. Hein. Alors, on ne les montre pas là, on ne peut pas tout montrer. Mais voilà, autant que vous voulez. Sí, solo quedan 2 días y nuestra caja de bienestar estará disponible en nuestro sitio web. Voilà, j'ai vu sur les commentaires que certaines d'entre vous souhaitent avoir la surprise du contenu et d'autres souhaitent le contraire. I read on the comments that some of you wants to have the surprise of the content and others prefer the opposite. Y leo en los comentarios que algunos querías llevaros la sorpresa del contenido y otros querías todo lo contrario. C'est pourquoi j'ai décidé de montrer, elle est là-bas, on la montrera à la fin. On va ouvrir la box ensemble à la fin. Ouais. Et du coup, bah, celles qui veulent... Je l'ai vu. Celles qui veulent avoir la box, celles qui ne veulent pas voir le contenu, bah, ne faudra pas rester avec nous. Buenos días, o tardes, o noches, Marta. Te saluda a Colombiana. Et te saluda de Francia. Nathalie qui doit partir. Eh bien, salut. À bientôt. Salut Nathalie, à la prochaine. Donc, la box, elle sera disponible le 14 octobre. Et voilà. Alors, je voulais vous montrer quelque chose dans nos actualités aussi. Je travaille depuis quelque temps sur la collection, une collection de carnets avec des motifs à reproduire selon des thèmes différents. For some time, as I have been working on a collection of notebooks with many patterns to reproduce according to different themes. Et Desdé, tu veux dire quelque chose? Non, mais tu continues parce que Sylvie, elle nous fait un commentaire sur nos porte-aiguilles. Elle les trouve très jolie. Ouais. Je m'excuse, Christelle, j'ai interrompu. Mais c'est pas grave. Alors moi, j'ai... T'es obligée de l'interrompre, sinon t'arrives jamais à parler. Bon, alors moi, j'avais choisi la théière, et toi? Ah ouais, on va les montrer le tout à l'heure. J'ai le cœur, et puis j'ai la petite fleur. En espagnol, perdón. Desde hace un tiempo vengo trabajando en una colección de cuadernos con patrones para reproducir según diferentes thématicas. Et en fait, on vient de finir celui de Noël. Rien t'habille que ton amoureux écrit. Oh, il est trop gentil, Namour. Et voilà, je voulais vous montrer. Tu peux enlever ma pomme. Et la mienne. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça va dans tous les sens. Donc voilà, on va sortir cette petite collection. Vous voyez, vous aurez la trousse dedans. Et là, cette fois-ci pour Noël, on aura 24 dessins sur le thème de Noël. 24 dibujos en el tema de Navidad. And we have 24 draw to reproduce on the Christmas theme. Voilà, regardez. Donc, ils ne sont pas encore disponibles, mais ils vont l'être rapidement. Alors, je vous fais 2 propositions de couleurs.
une plutôt hivernale et une plutôt sur des tons de Noël. I suggest you two color themes. Y te sugería dos temas de colores por todos estos dibujos. Voilà, donc ça c'est Noël. Et puis, ben, ça y est, j'ai travaillé sur des lettres, sur des cœurs, sur plein, plein de choses. I just say that I draw a more draw on with the earth, with letter, and hablo de otros modelos con letras y con corazones. Voilà. Nadine, elle trouve ça trop chouette. Ben voilà, ça va vous faire. Alors, je crois que dans les prix, je vais peut-être vous dire une bêtise, mais on va être à 25 ou 26 euros avec la trousse, en fait. Puis ça fait des chouettes petits cadeaux de Noël. Et vous pourrez les broder un peu partout. Vous êtes content? Avez-vous vu le matériel pour reproduire? Avez-vous le matériel? Oui, Nanou, vous nous enverrez un message et on vous expliquera tout ça. Voilà. Regardez, il y en a un. Ah, Linda, elle dit bonjour mes beautés. Salut Linda. Salut. Linda aussi, avec qui on a fait connaissance pendant le confinement. Tu as été passer un peu de temps avec elle. Oui. Voilà, voilà, mesdames. Je voulais vous montrer ce petit cahier qui va être disponible d'ici 15 jours. Elle dit, ça te fait drôle de voir ma petite Marie. Eh ben ouais, Marie, elle est là. Que de tentations, Sylvie. Ouais, ouais. Ben, on essaie de vous proposer des trucs sympas. Enfin, pas des trucs, des modèles. Voilà, donc là, c'est la maquette que je viens de vous montrer. I just received the model and time to make them and will be quickly put them on our website. Le temps de les fabriquer, je crois qu'il faut 15 jours. Ils seront sur notre site internet. Y acabo de recibir el modelo y es hora de hacerlo si los podremos rápidamente en el sitio. Voilà les filles, du coup le temps approche, non c'est bon. Donc ah oui, au printemps il y aura les alphabets et les cœurs. In spring there will be an alphabet and hearts. And in primavera habrá un alfabeto y corazones. Voilà, je vous rappelle aussi l'opération Octobre Rose. Tu sais que pour chaque commande passée, voilà, on verse 1 euro. Regarde, on te voit pas bien, t'es coupée, mets-toi là avec moi. Donc, on est début octobre. Tu peux garder tes lunettes, t'es trop belle avec tes lunettes. Regarde, j'ai les miennes. Et puis, voilà, et je voulais aussi vous parler de notre nouveau site internet. C'est super important. Ça fait 6 mois qu'on attend la sortie du site. On a eu des gros soucis, mais ça y est. Il est prévu pour le 18 octobre. I would like to tell you about our new website. It is scheduled for October 18. Y me gustaría informarles sobre nuestro nuevo sitio web. Está previsto para el 18 de octubre. Donc, c'est super important et on en parlera. Non, les infos que j'ai à vous donner, c'est que vous allez garder tout l'historique. You will keep all your account history and tenga la seguridad de conversar a todo el su historial por las pedidas. Dès l'ouverture du site, en fait, je vous invite à aller sur votre compte. Il fait des photos. Je vous invite à aller sur votre compte. Attends. Et à changer juste votre mot de passe, vous demandez et puis ça se fera automatiquement. As soon as the website opens, I invite you to go to your account with your email address, then to ask to change your password. Y tan pronto como se abra la página web, el nuevo sitio, lo invito a ir a su cuenta con su dirección de correo electrónico y luego solicitar el cambio de su contraseña. Est-ce que c'est bon? Sylvie trouve qu'on forme un super duo. Ah, c'est cool, merci Sylvie. Qu'est-ce qu'elle dit? Il risque de ne pas être fini d'ici le départ de Marie. Tu en apportes pour c'est Noël? C'est parce qu'on demande à Marie d'en apporter, d'en ramener avec elle. Mais Marie, elle peut même pas en apporter avec elle. Elle a qu'une petite valise qu'elle mettra en cabine. On va t'offrir une valise. Mais non, c'est... Et puis les filles vont travailler toute la nuit. Ouais. Écoutez, vous les aurez, les kits. Vous les commandez chez... comment ils s'appellent? Ben, il y a deux, trois endroits à Montréal. Entre autres, Pure Laine.
Pure laine, ouais. Et il y a aussi Sylvie Parent, qui est qui a quelques kits. Ouais, c'est ça. Voilà, pour les Québécoises. Et puis et sinon... ben, oh oui, vous savez aussi les nouveaux frais de port. Avant, tu nous envoyais par Colissimo, je crois. Hein, ouais, c'est ça, ouais. Et maintenant, avec tarif lettre avec suivi, on arrive à avoir des frais qui sont vraiment moins élevés. Ça aussi, ça peut être intéressant. Ça, c'est toi qui me l'as proposé aussi. Alors, il n'y a pas le suivi, hein, mais toi, ça arrive sans problème. Oh, moi, j'en ai commandé à plusieurs reprises, puis il n'y a pas de problème. OK, super. Bon, ben voilà. Mais elle me fait ma pub en plus, c'est trop bien. Mmh. Alors, on va revenir à notre SAL maintenant. Donc, j'ai vu que vous avanciez ben, super bien. Voilà, il y en a qui avancent, qui sont à l'étape 2, 3, d'autres à l'étape 4. I saw your advance on your SAL. And as I told you in a previous live, you have all the steps to embroider, so you take your time. On va acheter une valise à Marie, elle dit, si tu vois. Oui, mais ce que je veux, c'est qu'une petite valise. Il y a tellement de problèmes dans les aéroports, alors c'est pour ça que j'ai pris qu'une petite valise. Oh là là, on est en train de m'appeler. Je vais couper parce que tout le monde appelle là pour mon anniversaire. J'ai oublié de couper mon téléphone. Donc, les vidéos, vous le savez, elles restent sur le groupe. Elles sont aussi postées sur notre chaîne YouTube. The video will stay on the group and will be posted on our YouTube channel. Y los videos permanecerán en el grupo y se publicarán en nuestro canal de YouTube. Voilà, qu'est-ce qu'on leur dit? Vous n'oubliez pas de liker et de partager. Don't forget to like and share in all videos de dar me gusta y de compartir. Et on y va. Allez, c'est hop. Parti. Et on se retrouve pour le contenu de la box à la fin. D'accord. Et peut-être si tu me fais penser au dessin de la couronne d'été que je montrerai à la fin. D'accord. Karine, tu veux quoi? Oh, je vais vous montrer mon amoureux. Il m'a offert un bouquet magnifique et après on commence le SAL. Attention, allô. Viens avec ton petit truc. Viens l'offrir à ta This is à the gift douce. Of my lover. Regardez comme il est beau. Ah, ouais. On parle du bouquet, hein, bien sûr. Ouais, de l'amoureux aussi. Et c'est le, comment on dit en anglais, El regalo de mi amorado. Allez, on y va. C'est un jour, une journée un petit peu particulière ouais. Aujourd'hui. Alors, eh ben, on va commencer. Allez, Marie, ça t'embête pas? Non, tu te mets juste à côté, comme ça. Ouais. Voilà. On va prendre... Où sont mes feuilles? Alors, attends. C'est un petit peu le bazar. Je suis un peu... ça, c'est... Attends, ici. Mon texte. Non, ce sera à la fin que j'en aurai besoin. Alors, aujourd'hui, est-ce la étapa? C'est la étapa 5, c'est ça? Et on a deux points à voir. We have two stitches today for the SAL. El punto de... je suis en anglais, je suis en train de tout mélanger. The feather stitch and the spider web back stitch. Le point d'araignée surjeté, le point d'épine, puis j'ai décidé de vous refaire un peu de point de chaînette. Oh. Ouais, il est beau, Sylvie, mon bouquet, il m'a gâté. Y vamos a ver el punto de araña ripatido y el punto de espina y dos más. Alors, on va... Vous prenez votre fiche technique. You take your instructions et Thomas la ficha technica. Et aujourd'hui, nous allons commencer. Je voulais revoir un petit peu le point de chaînette pour le remplissage de cette feuille. Nous allons prendre donc deux fils de la couleur 921. Por el punto de cadeneta, el color 9, 2 y 0. Et for the chain stitch, the good color is 920. J'ai mon frère qui vient d'arriver aussi. On va faire l'anniversaire ce soir. Il est là. Coucou. Salut mon frérot. Hello. Et ça, c'est Marie du Québec. C'est particulier aujourd'hui. Ouais. Alors, on va prendre notre fil. Moi, j'avais... Non, je pense qu'il va falloir faire un zoom pour qu'on ait... Ouais, ouais, bien sûr, on va faire un zoom. Ouais, ouais, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Allez, et nous, on va mettre ça là. Vous êtes prêtes, les filles? J'ai pas vu tous vos commentaires. Hein. Après attends, celui, c'est pas, vous parlez peut-être des cours, Mimi Bouti. On va organiser plein de cours, là. Je vais commencer. On m'a fait une proposition pour un cours à Aix, en Provence.
à Cassis aussi, puis on va en organiser à Bourgoin. Et puis il faudrait que j'aille à Brest, on en avait parlé, ou à Rennes aussi, voilà. Ma Sylvie, copine, Marie, je t'envie ma d'être avec copine. Christelle. C'est ta copine Oui. Sylvie. Bonjour Sylvie. Rapproche-toi parce que sinon on ne te voit pas, tu vois. Regarde, quand tu veux dire bonjour, faut que tu sois dans le champ qui est Alors, là. pense à te centrer, Bonjour s'il te plaît. Sylvie. Voilà. Allez, on y va. Je vais me centrer ici. On y est, mon amoureux. Moi, j'y suis. Ok. Alors, on va se mettre sur le contour de cette feuille. Vous sortez votre aiguille. Alors, notre point de chaînette, on va le faire où pour faire quoi? On va faire le contour de la feuille. Je ne vais D'accord. pas le faire complètement, mais OK. ici, comme ceci. Vamos abordar la primera línea aquí, hein, de esta hoja. We are going to embroider just, I just want to start with the chain stitch on the outline. OK? Super. Ouais, c'est un peu n'importe quoi aujourd'hui, hein. Je vous Pas prie de de m'excuser. Alors, on y va? On n'a pas toujours 20 ans. C'est ça, t'es gentille, Marie. Non, on en a 53 aujourd'hui. Allez, on va se décaler un petit peu à droite Ouais, tu et vas là, mettre le point mes pour les amis gauchères. gauchères ont leur écran. Oh! Merci. Alors, on sort, on pique et on bloque. Then you secure the thread on the back. Y vamos a bloquear el hilo. OK? Merci, Muriel. Merci. Muchas gracias, Patricia. Oh là là, elles sont adorables, j'ai des messages partout. Allez. Ah, et il n'y a que 102 réactions. Hein. On compte sur vous pour liker la page et partager. Merci. Alors, vous sortez votre fil et vous allez. Ce point se travaille de haut en bas. It's work from top to bottom. Et c'est trabaja de arriba hacia abajo. Alors, vous allez piquer à l'intérieur et ressortir sur le fil, sur la ligne, juste quelques millimètres après. Et vous allez piquer à l'intérieur. Then you go inside the loop. Y pinchas dentro el último punto. Ok, vous voyez? Alors aussi, je voulais vous parler des cours parce que le cours, là, ce week-end, ça s'est super bien passé. Et en fait, malgré tout, moi, j'ai des dames qui m'avaient dit qu'elles ne comprenaient pas pourquoi, enfin, pas qu'elles ne comprenaient pas du tout, qu'elles ne voyaient pas l'intérêt de venir à un cours. Et je vais demander à celles qui ont participé au cours, justement, il y en a certaines d'entre vous qui sont ici, mais je vais me permettre de vous envoyer un petit message pour que vous puissiez partager votre expérience et que ça puisse profiter donc à celles qui hésitent. En fait, pendant le cours, je suis vraiment au-dessus de votre épaule et même si vous connaissez les points, il y a toujours des choses à voir. La tension, la manière dont vous tenez votre cercle, votre aiguille pour chaque point. Enfin voilà. Et du coup, je me suis dit que ce serait bien de partager ça avec vous. Voilà, c'est OK, hein? Intéressé pour vous rejoindre à Bourgoin avec notre club, eh ben en fait, faut nous envoyer des messages quand vous êtes intéressé par des cours et puis on va les mettre en place avec des dates. Voilà, vous allez continuer comme ceci. Then you continue. Ah oui, il va y avoir la semaine prochaine, on va déménager. Donc à Bourgoin, il y aura un nouvel atelier. Et puis avec Karim aussi, pour le printemps, on a décidé qu'on allait faire un week-end broderie détente à la Hop, Bégude. hop, 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 hop. Si, si. Broderie bien-être. Oui, broderie Ouais, bien-être. le bien-être, c'est ma partie. Ouais. Donc, il n'y aura pas beaucoup de place et on va fixer la date assez rapidement. Et puis, si ça marche, eh ben, on recommencera. Écoute, Diane Langevin qui veut me dire mais bonjour. Bonjour Diane. Ben c'est chouette, t'as tes copines qui sont là aussi. Mais je la connais pas, Diane Langevin, mais elle me Ah. salue. C'est gentil. Voyez là ce que j'ai fait, j'ai juste arrêté mon point pour tourner plus facilement. I just stopped the stitch to turn easily and I remato el punto para hacer un angulo muy, muy bonito et je repars comme ceci.
Je pense que ça se passe bien pour tout le monde, hein, le point de chaînette de remplissage. Hein. Christelle, Ouais. Sylvie Parent demande à quand ta visite au Québec. On en discute, on essaie de trouver une façon, on y pense, organiser des cours, c'est notre préoccupation. Ça fait 2 jours qu'on discute de tout C'est ça. ça. Marie, On va voir. elle voudrait me faire venir au printemps, pendant peut-être une semaine. Alors, le printemps pour des cours, et puis je pense que j'irai certainement au salon au mois d'août. Je vais essayer de voir si je peux faire le salon. L'aiguille, pas l'aiguille en Ouais, fait, c'est twist. le Twist, c'est le salon de Montréal, hein. Mais déjà, essayer de voir comment on peut s'organiser pour donner des cours pendant une semaine Donc là, on voit au qu'en Québec. faisant ton point de chaînette, il y avait une petite boucle qui s'était faite. Heureusement que tu es là, mon Et du coup, amoureux. tu viens de tirer sur un des deux fils pour pouvoir la ramener. Non, mais toi, tu es trop fort. Ah, Parce c'est que. toi qui feras la démonstration plus tard? Isabelle, si vous êtes intéressée par le week-end, juste nous le faire savoir, c'est bien déjà. Vous nous envoyez un petit message. Ah bah Diane aussi, elle veut savoir si je vais au Québec. Et on Ouais. a plein de propositions. On nous propose la Belgique aussi. Mais On la nous Belgique, propose j'attends, moi. Aix-en-Provence aussi. Donc, Oui. il faut nous envoyer des messages avec. Il nous faut un lieu, c'est toujours pareil. Et à partir du moment où on a un lieu, on peut organiser. C'est ça, il faut un lieu où on puisse accueillir une dizaine de personnes max. Voilà, mais il faut nous envoyer des messages sur contact. Hein. Et Marion va traiter tout ça Ouais. comme elle sait bien faire. Voilà, donc vous allez continuer comme ceci. Hein. You continue all the outline. Y continuar el contorno. Là, ça serait intéressant que tu nous. Puisque tu arrives pour repartir à 90 degrés, parce que tu l'as fait juste au-dessus, mais sans l'expliquer, ce serait bien que tu le fasses, Voilà, si tu nous ok. montres là. Voyez là, si l'angle ici est difficile à prendre, si el ángulo es más difícil, if the angle is difficult, alors vous piquez derrière le point, you go down after the stitch, y pinchar después el punto, como remato, ok? Comme si on allait arrêter, et vous ressortez, Marie, tu regardes toi aussi, Ouais. vous ressortez à l'intérieur du point, then. You bring up the needle inside the last stitch. C'est comme si tu faisais un arrêt et tu reprenais ton travail, C'est c'est ça, ça? c'est exactement la même chose. Comment tu dis ça en anglais? Tu veux le dire? It's Allez. like you stop the work and begin again. Eh ben voilà, c'est trop bien maintenant. En plus, tu Oh, parles en anglais. ouais. Et en espagnol? Non. Non. Voilà. Merci Marion d'avoir mis le commentaire. Enfin, d'avoir mis le petit commentaire sur les cours. On a vraiment l'intention de bien développer les cours hein, cette année. Et c'était trop sympa. On a passé un week-end, mais trop top. Allez, voilà les filles pour le point de chaînette, ok? Ouais, Ça va? ouais. Ok. Donc la deuxième ligne, vous viendrez la broder tout à côté. Para la segunda línea, bordar junto la primera línea. For the second one, you just need to embroider very close from the first one. Regardez. Je vais vous mettre. Attendez, je me mets bien comme il faut. D'accord. Pardon. Ouais, pas de souci. Voilà. Vous voyez? Voilà, on voit bien. Hein? Donc ensuite, on viendra changer de couleur. Oh, ça c'est Et beau. lorsque vous aurez fini, alors vous broderez votre point d'épine qu'on va voir tout à l'heure. C'est maintenant le point d'épine ou pas? Non, c'est après. Hein? Non, on est sur le point d'arrivée sur le tour. Ok, donc on verra tout à l'heure. So now we are going to see the spider web backstitch. Il est là. Le point d'araignée surjeté, il est là. Y vamos a ver el punto de araña rebatido. Et la couleur, c'est la 3847. Alors attends, parce que moi j'avais. Ah, mais oui, je voulais vous montrer mes petits. Oui. Mes petits. J'y arrive pas, mes petits porte-aiguilles aimantés en fait. Allez, montre tes porte-aiguilles montées, Mais elles allez, sont il là, faut j'ai la voir. fleur ici. Oh là Et là. ici, j'ai le petit cœur. Et toi, tu avais la petite théière aussi, ici. Oh là là. Et du coup, ouais, on les voit. Tu vois, c'est là qu'on voit. Je la 33 porte ans et au t'as rien Québec. t'habille.
Qu'est-ce que t'as dit comme bêtise, toi? 33 ans et rien. 33 ans et rien, ta vie. Oh. Alors, ben, je vais préparer mon aiguillé. So, I take my thread. Gentil, amoureux. Oui, elle est gentille. Toujours. Mm. You take your thread, one double. Merci, Alice. Muy clara la explicación desde Argentina. Un afectuoso saludo para las dos. Muchas gracias, Silvia. Un beso. Tu vois, on a des gens un peu de partout. Cette dame, elle est en Argentine. Mm. Ah, des cours en Argentine. Ça fait loin. Alors, on y va. Le chat dans l'aiguille fera le tour du monde. Ouais. Pas trop quand même, hein. Je veux bien être un peu à la bégude. Alors, on va y aller pour le point d'araignée surjeté. Donc, les points, il y en a plusieurs. Hein. Ils sont ici. Tenemos muchos puntos como este. Alors, on va y aller. Alors, je mets ça là. Ah, mais j'ai pas arrêté mon aiguille. Hein. So sorry, I just stopped the first one. Hop. Excusez-moi, j'avais pas arrêté mon fil. Attends, on voit juste mes bagues là, ça n'a aucun intérêt. Voilà, et je coupe. Perdone, me falta de rematar el punto. Et tu coupes avec ton petit coupe-fil. Aujourd'hui, ouais. Tu n'as pas tes ciseaux. Ouais, j'ai mon coupe-fil aujourd'hui. Allez, on y va. Donc, le point d'araignée surjeté, c'est un point qui va vous permettre. Tu veux les ciseaux ? Non, regarde, ça va. Oui, ou mêlez là. Ouais, c'est bien. C'est un point qui va vous permettre de remplir des surfaces. This is a stitch which allow you to file a circle. Y este es un punto que te permitirá de completar un círculo. Alors, on peut broder avec un nombre pair ou impair. Cela n'a aucune importance. To embroider, you need an odd or even number of straight stitches. Y para abordarlo, necesita un número impar o par de puntadas. Alors, on y va. On va bloquer notre fil à l'extérieur du cercle. Vamos a bloquear el hilo por detrás del contorno. And you embroider for stitches outside the outline. Tu peux monter un peu, s'il te plaît. Ouais. Ici. Attends, je suis où? Elle est là. Ok? Ok. C'est bon pour tout le monde? Bonjour Aurore. Ah Gaëlle, bonjour. J'ai vu aussi... Non, je ne sais plus. Alors, vous sortez et vous piquez au centre. You go to the center y pinchar a la, en el centro. Et vous allez faire des points lancés avec une tension assez forte, hein. Necesitamos una tensión muy fuerte. And you need to have a good tension, a big tension. Comme ça. Mon amoureux, tu me dis quand tu ne me vois plus parce que quand je ne suis plus dans l'écran. Ouais, hein. Tu sais, quand je ne te vois plus, moi je suis perdue. Bonjour Kathleen. Voilà, ça c'est le dernier point. This is the last one. Maintenant, vous allez sortir entre deux points. You bring up the needle between two stitches y salir la agora dentro dos puntos. Alors, vous allez sortir le fil. Donc ici, vous allez passer à... au-dessus de ce petit point qui est là. Alors, attendez. Pasamos por arriba de este punto. Then you pass over this stitch. Over. Dessous. Je ne l'ai pas en anglais. Under. Under. The first and the second one. Vous passez sous deux fils. Avec le chat. Donc là, tu es ressorti. Le plus près possible du centre, entre deux points. Oui. Et tu es allé chercher... Je suis passée au-dessus du précédent, puis dessous et dessous le suivant. Okay. Et oui, Marie, je travaille avec le chat de l'aiguille. Oui. You work with the other side of the needle, hein, y tomar el otro lado de la aguja.
Alors, regardez, on voit peut-être pas bien parce que c'est foncé. Peut-être qu'il faudrait faire un énorme plan, mais j'ai peur qu'elle ne voit pas. Je peux faire un zoom plus important, mais du coup, il va falloir que tu bouges un minimum. Mais non, Alors, si. attends. On va demander si vous avez besoin d'un zoom plus important. Et si c'est le cas, Karim fera la manip. OK? Alors, sacar la agora dentro dos puntos, ouais. Primero por arriba del primer, aquí. Y después debajo del mismo punto y del siguiente. Y tirar. Merci Annie. Merci Annie. Vous passez au-dessus, puis en dessous du premier, puis sous le deuxième. Et ce qui est très très important, c'est de tirer vers l'extérieur, puis vers Ouais, l'intérieur. toi, Ça, c'est une astuce. Et oui, ouais, c'est important. parce que si tu fais pas ça, les petits tours, ils vont se superposer, ça va pas être joli. C'est pour Donc, de ça. l'extérieur De l'extérieur vers vers l'intérieur. l'intérieur. Je peux monter un petit peu? Ouais. Ouais, I just say that je pars au you. champignon là. Plus à gauche, s'il te plaît. You need to Super. pull to outside, Ça, c'est important. then out, then, non, Inside. then inside. Merci. Y tirar para afuera. Y después para ti. Bon, bah, tout le monde dit que ça va, donc c'est super. Il n'y a pas besoin d'un gros Montre-moi zoom. encore. Ouais, je vais te montrer. Mais là, toi, c'est pour Non, mais ça les fait rien. droitières, Marie, hein. Donc, tu passes là, ici. Oups, tu tires et tu reviens. Et tu tournes. Et en fait, à chaque fois, on passe sous le avant et sous le après. C'est ça. Et tu passes sous deux points. Et automatiquement, tu vas passer, dès que tu le fais, tu vas passer Ouais. dessus le premier. C'est ça. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ouais. Tirar primero hacia l'extérieur et después hacia l'intérieur. Annie, je crois que vous me l'avez donné 10 fois. Est-ce que vous pouvez me les renvoyer par mail, hein? Mais en fait, j'ai toutes mes notes, mais je les lis pas. Mais ça me rassure de les avoir. If you have any question, if somebody speaking English, you can ask right now. Y si tienes preguntas en español, es la hora. Salut Hélène du Cantal. Allez, on continue de tourner. Et on va tourner jusqu'à ce qu'on puisse plus voir les points. Tu me dis mon amoureux, parce que comme j'arrête pas de tourner, c'est compliqué pour moi. J'ai un peu le mal de mer. So you pass the needle above the stitch, then slide the needle below, then under the next one. OK? Vous passez l'aiguille au-dessus du point. Je suis ici, au-dessus, en dessous, puis en dessous du suivant. Est-ce qu'il y a des questions, mon amoureux? Aucune. Ben, vous êtes toutes des pros du point d'araignée surjeté, alors. Hein? On a quelqu'un qui débute avec nous aujourd'hui, qui n'a jamais brodé? Allez, on continue un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Sylvie, c'est votre demo. Voilà, donc vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin. Et puis moi, je vais arrêter maintenant, mais je vais vous montrer le résultat. Por rematar, alors vous piquez juste sous le point, ici. Pinchar solamente aquí, you go down after, y rematar. Ah, décale-toi un peu à droite. Voilà, et vous passez. Alors, je vais vous les montrer les points, hein, en gros, mais vous passez 3 fois. Then you pass. Inside. Et je vais vous montrer à quoi va. Vous avez vu, c'est pratique ça. Hop, je l'ai posé là. Trop bien. Alors, les voilà nos points d'araignée. Surjetés. Voyez, vous en avez un là.
Vous en avez. Tu peux enlever la vue de gauchère, mon amoureux? Vous en avez ici. Alors parfois, il se peut que moi, ça m'arrive, hein, un point soit un petit peu trop grand. If you have a large stitch, ici tu tienes un punto más grande. Une fois que c'est terminé, when it's finished, cuando es finito, vous pouvez broder juste un petit point de chaînette ou un point de tige d'une couleur différente sur le contour. C'est trop trop beau. You can embroider a stem stitch or a chain stitch all around. Y tú puedes bordar un punto de cadeneta ou de tallo todo en el contorno. Es muy famoso. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on voit quoi, mon amoureux? Alors maintenant, je propose le point d'épine. Alors, le point d'épine, normalement, on va regarder, mais il se brode une fois qu'on aura fini les points de chaînette. Mais vous allez pouvoir vous entraîner. El punto de espina se borda aquí, de haut en bas. Hein. Alors, attendez. Hop, je suis perdue. Voilà, ici. Mais se borda, pero después, antes, necesitamos de bordar todos los puntos de cadeneta. And in English, you need to embroider all row of chain stitch. Then, after, above, you can embroider the feather stitch. Mais moi, je vais vous le montrer maintenant. On a vu des mouettes rieuses, mais pas de Karim. Mais en fait, personne m'écoute là. Elles sont toutes en train de dire des bêtises. Bah, vous avez bien raison de rigoler, les filles. Alors, notre petit point d'épine. Alors, j'avais prévu mon aiguille. Regarde, tu vois. Hop, elle est enfilée. Oh là là, oh là, mais c'est plus de la technique à ce niveau-là. Vous vous moquez, vous vous moquez. Il faudra, Marion, on n'a pas parlé de la prochaine date du live, hein. Ouais, ben Parce que merci. c'est pas la semaine prochaine, puisqu'on est en déménagement, tout ça, va être après, je crois. Hein. Oui. Faudra me donner la date. Je crois que c'est un mercredi. Alors voilà le point d'épine. Alors attention, Devant. le point d'épine. C'est quand le live, tu Tout dis? devant. D'accord, on le mettra à la fin. Ah, mais vous êtes. Il y a des nouvelles là. 182. Et pourquoi il n'y a que 150 likes? Oh, oh, oh. Elles n'appuient pas sur le petit pouce. Ça va pas du tout, hein. Je compte sur vous, les filles. Elisabeth, c'est la première fois que vous regardez. C'est la première fois que vous regardez un SAL en live avec nous. Bah, si c'est le cas, c'est trop cool. Bienvenue parmi nous. Merci, Laurence. Merci pour ton petit message aussi pour mon anniversaire, Laurence Denis. Isabelle, c'est son meilleur, un de ses meilleurs moments de la journée. Oh, c'est trop gentil, Isabelle. Alors, le point d'épine, il est là. Voilà. Donc, le point des plimes, il se travaille de haut en bas. It's work from top to bottom. Il se trabaja de arriba a abajo. Bonjour, Micheline du Québec. Donc, on va bloquer le fil. Regardez sur la première branche. Voyez, c'est comme un point de plume, le premier. Voilà. Alors, on pourrait aller. Je ne sais pas ce que je fais. Soit je le commence à gauche, soit en haut. Allez, on va le commencer en haut. We are going to start on the top. Y vamos à empezar por aquí. Ah, il y a une dame qui est là qui doit vouloir rentrer, Karim. Je sais pas Oui, si c'est c'est bon. pour toi. Alors, on arrête le fil ici. Et puis, il va falloir mettre la vue de gauchère, mon amoureux. Voilà. Et vous allez sortir le fil en haut. Alors, on y va pour les droitières et les gauchères. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est garder le fil sous le pouce. C'est ça le plus important. Hein? You keep the Peut-être tension, un petit peu avant. you keep the thread under the thumb and maintenir la tension con el hilo por abajo del dedo. Alors, pour les droitières et les gauchères, c'est l'inverse, hein, mais quand vous allez être à droite, les gauchères, vous allez avoir du mal, et pour les droitières, elles auront du mal à gauche. Donc, mon premier point, regardez, il est à gauche. El primero punto es en la izquierda. The first one is on the left side. Donc, vous allez piquer ici et vous ressortez à l'intersection. You go down at the beginning of the small line, then bring up the needle at the intersection.
Attendez pour les gauchères, est-ce que ça va? On voit pas bien. On voit pas bien? Pour les gauchères, on voit pas bien? Ah. Voilà. Il faut pas que je bouge. En fait, Marie, tu me dis, c'est l'écran qui est à gauche. Oui, je regarde. Maintenant que je suis à droite, je vais basculer mon fil comme ceci, à droite. Je pique et je ressors à l'intersection et l'aiguille, elle passe au-dessus du fil. Après, je vais le dire dans les autres langues. Et regardez maintenant, les droitières qui vont à gauche, elles font le même mouvement. Oui. De ce côté-ci, c'est ça qui est important. Hein. Vous pouvez tourner un petit peu votre cercle si ça vous embête. Hein. OK? Est-ce que c'est bon en français? Petite question pour cette feuille. Si on brode le point d'épine après avoir rempli le point de chaînette, comment voir le dessin? Eh bien, il va falloir le redessiner, Isabelle. Vous faites un petit, vous prenez un petit stylo ou même sans dessin et vous faites votre petit point d'épine. Ouais, ça va aller. Sylvie Parent dit que le fil sous le pouce, c'est son mantra quand elle brode. Oui, je sais, elle m'avait dit. Allez, in English, so, when the draw is on the right side, what you need to do is to put the thread like this. You go down at the beginning of the line, you bring up the needle just at the intersection and the needle pass over the thread. Then you pull to you. And when it's on the right side, you do exactly the contrary. You go down, then you emerge the needle, pass over the thread. En español, cuando el dibujo es en la izquierda, pinchar al principio de la línea y salir a la intersección. Y la aguja pasa por arriba del hilo. Ok? Y cuando la línea es a la derecha, pinchar, salir a la intersección, es igual, hein? La diferencia es el sitio del hilo. Y la aguja pasa por arriba. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Oui. C'est bon le point d'épine? Oui. C'est la même chose pour les gauchères. C'est pareil, mais les gauchères, elles ont du mal à droite, Marie, c'est en général. Vous, c'est à gauche. C'est ça. Oui. Is it okay for everybody? Pull towards yourself. Ah oui, moi, je dis pull to you, c'est ça. Faut que je le corrige, ça aussi. Faut m'envoyer un petit message ou Marie, elle me le dira. Oui. Oui, je sais, je fais plein de fautes, mais c'est pas grave. Hein. L'essentiel, c'est que vous compreniez. Towards you. You pull towards yourself, oui. C'est ça? Voilà, 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 voilà. Et on continue. Then you continue. Comme ceci. Et puis, je crois qu'on finit après avec un petit point de tige. Ça, ce oui. sera le dernier point. Oui. Then you continue oui. with a small stem stitch just to finish the tail. Y continuar con el punto de tallo hasta el dibujo finito. Un point dans chaque courbure approximativement. Ben, je vois que vous, Sylvie répond aussi. Mais Sylvie, c'est pas votre anniversaire aujourd'hui aussi? Elle nous avait dit ça, Sylvie, que c'était le 12 octobre, non? Mais qu'elle n'avait pas mon âge. Sylvie, dites-moi. Very well explained. Thanks. Thank you, Eloisa. You go down. Alors oui, je sais, il y en a qui râlent un peu parce que je parle en anglais, parce que je parle en espagnol, en fait, parce que je répète les mots dans les trois langues. Mais en fait, on a des dames qui nous suivent d'un peu partout. Et comme pour les gauchères, c'est important. Voilà pourquoi. Alors, c'est pas grave. Si je vous casse les pieds, ben, vous éteignez le son, mais vous regardez mes mains. Mais Christelle... Ouais. C'est comme un cours d'anglais et d'espagnol pour nous. Hein? On brode et on apprend de nouvelles langues. Oui, aussi, c'est vrai. Non, c'est son anniversaire de mariage. Oh. Ah oui, c'était 38 ans. Wow. Oh, 38 ans, Mazette, oui. C'est possible de laisser porter 38 ans, nos mecs.
son anniversaire aujourd'hui, parfait. Ouais. À qui, tu dis ? Laurence. Ah, Laurence, joyeux anniversaire, Laurence. On a 10 ans d'écart. Laurence Caméraire, happy birthday. Allez, c'est génial au contraire. Bon, ben, c'est super. Alors, il nous reste un dernier point. Un dernier point, puis après, je vous montre la box. Il nous reste le point de Paul. Ouais, on l'a vu déjà la semaine dernière, mais on va le réviser. Hein. We saw it, the bullion stitch, but we are going to make one more today. On va le faire, c'est la couleur 926. Vamos a ver una otra vez el punto de... Rococo, el punto de bullion, de la color 926. Et on a hop, l'appareil photo qui a coupé, mais c'est pas grave, mon amoureux. Il va nous le remettre. Vous savez que sur les fiches techniques, hein, vous n'oubliez pas que vous avez à chaque fois les QR codes hein, sur nos fiches techniques qui sont ici. Et vous arrivez directement sur ma pomme. Et puis je vous montre hein, pas sur, ma pomme. Sur mon visage, sur oui. Moi, sur ma personne, et vous arrivez donc sur mes mains, surtout, c'est ça qui est intéressant, qui brode, hein. Voilà. Ouais, qu'est-ce qu'elle dit ? Il y en a oui, j'ai ma petite assistante, trop bien. Donc nos points de poste, ils sont là. Attends, c'est là. Voilà, ils sont à l'intérieur de la feuille. Donc, on va les broder et on va bien voir qu'on a un nombre de tours différents. On a bien vu le point de poste là, pendant le cours. Il y a plein de manières de le broder, ce point de poste. On a vu ça ce week-end, c'était très sympa. Allez, on y va. Mon fil, il est là. Je te passe ça. Je place mon cercle. I'm going to place the hoop. Il ne faut pas que je me trompe. Et c'est ici. Allez, je vais changer ma petite fiche technique pour être sûre de ne pas oublier. Ben je ne l'ai pas, j'ai dû l'enlever alors. C'est pas grave, Karim il rigole. Bon. J'avais mon explication du point de poste, mais c'est pas grave, je la connais tellement bien. Ouais, regarde, elle me la donne, elle est trop cool. Allez, on y va. Vamos a bordar. Tu mets après. So you secure the thread. Vamos a bloquear el hilo. On bloque notre petit fil. Alors à chaque fois, tu utilises cette petite technique là de. Ouais. De avec ton aiguille, clac-clac, tu fais le petit trou pour retourner et savoir exactement où tu es. Oui. Et. Bah c'est bien de le dire. Alors, on fait la petite technique. Donc c'est bien de le dire. Donc vous piquez, vous sortez, vous prenez un fil, just one thread, uno hilo solo. Por bloquear, pasamos dentro la boucleta, you go inside the loop, et nous passons à travers la boucle. Ça va, mon amoureux, j'ai bien dit. Tu prends un fil de la toile. Et je sors ici. Alors, avec ou sans cercle. Certaines brodes avec, d'autres sans. You can use or not the hoop. I think it's easier to embroider without. Puedes bordar con o sin el bastidor. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero pienso que es más fácil sin el bastidor. Bonjour, ma'am, et ben, merci pour votre message. Ouais. On commence par les points de poste ou par les tours de chaînette? Eh ben, d'abord, ce qui serait chouette, c'est de faire, je crois qu'il y a un point de tige, non? Il n'y a pas quelque chose d'abord, ouais. Alors, vous allez d'abord broder votre point de chaînette, hein, même si vous pouvez le faire après. Hein, mais si je dois vous donner une idée de ce que vous allez faire, vous brodez votre point de chaînette, puis les points de poste d'après, et les points de... Pardon, le point de tige, les points de poste, puis les points de chaînette après, Marie. Voilà. D'accord. De manière générale, on brode de l'intérieur vers l'extérieur. Oui. Hein? You can embroider from inside to outside. First, the stem stitch. Then, después, after the bullion stitch. Oh, je mélange, je suis en anglais là. Hein? Oui, oui. Oui. Et then, the chain stitch on the outline. Alors, on y va? En español, diré que es mejor de bordar primero la línea del centro con el punto de tallo y después el punto rococó. Et después los puntos de cadeneta. Alors, je sors à gauche. Je pique à droite. Je sors à gauche. Alors,
Je suis pas du tout où il faut et il faut mettre l'écran de gaucher. Là, voilà. Merci Karim de penser à nous. Je pique et je sors. Vous allez tenir votre aiguille entre le majeur et le pouce. Vous allez tourner autant de fois qu'il faudra pour couvrir cette petite distance ici. Alors, je tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense à peu près 10 fois pour commencer. OK? Certaines me disent que ici, souvent, il y a une petite boucle qui se fait, c'est que vous n'avez pas tiré assez. Vous allez maintenir votre fil avec votre pouce et votre index et vous allez tirer. Vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez et vous tirez jusqu'au bout. OK? Et lorsque vous ne pouvez plus tirer, hop! Regardez, il se met tout seul, c'est magique. Et vous pouvez avec vos ongles travailler sur le point. Voyez comme ceci. On va en refaire un derrière. Vous aussi, Isabelle, sans le cercle. Ben ouais, moi je préfère. Pour Il finir le y a point. certaines personnes aussi qui aiment avec une aiguille de modiste, Ouais, qui est aussi. plus longue. Des aiguilles plus longues, vous pouvez utiliser. Moi, j'aime moins. Moi, je prends mon aiguille numéro 9. Je sais, il y a la 10, il y a la. Enfin, c'est les aiguilles mode, ce sont des aiguilles qui sont plus C'est longues, ça. hein, c'est ça. Donc, pour piquer, vous allez piquer, pour arrêter votre point, vous piquez dans le même trou et vous passez au suivant. Et je vais l'expliquer en anglais et après, j'expliquerai en espagnol. Alors, you bring up the needle on the. Un peu à droite, s'il te plaît, si Ouais, left side. You go down on the right side, then bring up the needle near the thread. OK? Alors, vous allez. You take the needle eyes between the right thumb and the middle finger. Then you wind the thread around the point of the needle. If the number of turns of the thread should be as great as the distance from the fabric to the needle, just over there. OK? Et ici, ben, on va tourner plein de fois. Hein. Je ne sais pas combien, mais on va tourner. Then you turn, you turn, you turn. Vous voyez, regardez encore, hein, la distance, elle est très, très grande ici. Hop, 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 hop. Allez, je pense que c'est bon. Alors, you keep the loops. Tight on the needle with your index finger, then thumb straight and start pulling to get the thread through the loops. Alors regardez, c'est dur, j'ai tiré un peu trop fort, mais on va y arriver. Allez, allez, venez. Ah, voyez, moi aussi j'ai des difficultés. Ça y est, j'ai réussi. Je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Je ne sais pas comment c'est dessous, hein, mais je les tiens. Then you pull, you pull towards yourself. Merci Sylvie. Et quand vous êtes ici, hop, vous les retravaillez. You can work them with your finger. Est-ce que ça va? OK? J'y vais en espagnol? Et j'en referai un petit en français. En español ahora, salir a la izquierda, pinchar a la derecha y salir al lado del hilo. Por aquí. Ok. Vous allez, ah, je suis en espagnol. Hein? Enrolle el hilo alrededor de la punta de la aguja. Comme este. Y el número de vueltas del hilo debe ser tan grande como la distancia en la tela, dentro la tela, mira, y la agura. La misma distancia aquí y por aquí. Ça marche? Alors, ahora sostenga los bucles dentro los dos pulgas. Y tirar el hilo tranquilamente. Mais j'ai tiré fort, hein. Tranquilamente, no tiras fuerte, hein. Y tiras, tiras, hasta que no tu puedes tirar más. Y ahora, mira,
trabajar tranquilamente. Hop, les gauchères, pardon. Los puntos. Tu vois pourquoi c'est difficile pour moi de voir? Parce que j'ai un tout petit là, Ouais. puis pour les gauchères, c'est là. J'ai pas beaucoup de place en fait. Mais Et ça va, voilà. hein. Est-ce que vous avez des questions sur le point de poste? ¿Tienen preguntas por el punto rococó? Ou if you have any questions for the bullion stitch? Allez, on en refait en français. Celui-ci va être très grand. This one is larger. Allez, on va voir. Alors, ce que je ne vous ai pas dit aussi, faites attention que le retour du fil soit bien en haut. Je pique, je sors. Comme ceci. Et là, je vais tourner. Mais alors, je ne sais pas combien de fois. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Est-ce que 20, c'est assez? Je crois que non. Hein. Non, Regarde. peut-être plus encore. Je pense plus que 20. Masque et bente, hein. More than 20. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 25. 25, ouais. Oui, Christelle, c'est mieux quand c'est un peu gonflé que s'il est trop à plat. Ben moi j'aime bien quand c'est un petit peu gonflé. Enfin, tu dis D'accord. qu'il y a du relief. Et Ouais. pour avoir un peu plus de relief, en fait, tu fais plus de tours. C'est ça. Ouais. D'accord. OK. Voilà. Non, c'est bien expliqué. Parfois, ils ne sont pas droits, Nadine. Ben, je ne sais pas. Faudrait que tu me montes, Nadine. Viens avec sur le salon, puis je regarderai. Et en fait, il ne faut vraiment pas s'énerver. Tu vois, là, ils ont du mal à passer, mais... Tu peux toujours les retravailler avec Toujours, ton toujours, ongle. Hein. ouais. Et regardez, hop, je bascule. Et je les travaille. Françoise, vous allez y aller tout doucement et entraînez-vous en faisant juste 4 ou 5 tours. Et je vous invite à aller sur le lien de YouTube. Elle va vous le mettre, Marion, sur le point de poste. Hein. Et comme ça, vous pourrez le travailler avant de l'attaquer là. À force de regarder les Salomés, j'ai imaginé son histoire et j'aimerais savoir si toutes les Salomés sont visibles sur le site. Oui, Gaëlle, elles y sont toutes sur le site. Il y en a probablement que nous allons bientôt arrêter. Donc, je ne sais pas d'ailleurs si c'est prévu là tout de suite ou pas, mais elles sont toutes sur le site. Oui. J'arrive mieux à faire ce point que la roue festonnée. Je ne dois pas être normale. Bon, Christine, ça va, on a tous nos points. Hein. De prédilection et Mais c'est un entraînement oui, aussi, c'est hein. ça, faut le travailler en fait. Il faut pas tirer, faut y aller tout doucement et tranquillement. Voilà. Donc pour l'arrêter, bah, vous piquez et vous passez sous le point. Et tu peux enlever la vue de gauchère, mon amoureux. Hein. Alors je crois que le point de ouais, le live de le prochain live, il y aura très très peu de points en fait. Il y aura le point de D'accord. piqûre, mais bon, on révisera. Il faudra nous dire ce que vous voulez comme point encore hein, pour le prochain live. Hein. Maintenant, vous êtes des expertes. Hein. Oui, ce sera le dernier. Pour ma part, je préfère le point de poste que la bride festonnée. Eh bien, c'est super. Moi aussi, la roue festonnée me fait gré-gré. C'est qu'une question de tension, Sylvie. C'est tout. Ah, c'est chouette! Il y a 194 likes. Voilà, vous voyez? Et oui, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Merci Marion, elle nous a mis le lien. Hein, parce qu'on peut faire plein plein de choses avec le point de poste. On peut faire juste, on prend un 2 mm et on fait 20 tours. Et ça nous fait comme des petits grains de pommes de pin. Je vous montrerai ça une autre fois. Voilà, je crois qu'on est tout bon. Donc, on va regarder un petit peu le travail qu'il y a à faire pour la prochaine étape. We are going to see what you need to do for the next step. Alors, attends, parce que moi, j'ai pas tout avec moi. Voilà, c'est ça. Alors, ici, vous allez avoir cette petite feuille à faire. You need to embroider this one. Alors, pareil, hein, vous allez broder d'abord tous les points de chaînette. You need to embroider all stem stitch before. Then, here you have a stem stitch. Just here. Necesitamos desbordar todos los puntos de cadeneta y después por arriba el punto de tallo. Donc, oui, vous serez obligé de le redessiner.
y necesitas de dibujar después el punto, hein, por arriba de los puntos de cadeneta. In English, non, en français, j'ai dit en anglais. Donc vous allez broder, ouais, tous vos points de chaînette et puis ensuite vous brodez, mais je l'ai dit, hein, vous dessinez et voilà. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre? On a ça ici. Donc ici, vous avez des petits points de tige. Et puis là, vous broderez vos points de nœuds d'abord. You need to embroider first the French knot, then the stem stitch. Hein, vous brodez toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a quand même des feuilles bolas, c'est tout simple. Hein. Celle-ci, c'est du point de chaînette avec du point de tige et du point de bouclette. Hein. Ça, vous l'avez fait, hein, le petit gland qui était là, je crois. Ou alors, ben, vous avez les explications. On l'avait ah oui, c'est ça. On l'a fait à la première étape. Fait. Hein. We did this one on the first step and trabajo este en el primero live. Et on a notre petit... Non, il n'y a pas le petit oiseau. Non. Ah ben voilà, ben, ça va être vite fait. Oui. OK. Alors, maintenant, c'est fini. Je vous montre la box et puis c'est terminé. Alors, est-ce on y va? Ouais. Vous voulez la voir, la box? Celles qui ne veulent pas, faut vous partir. It's time to see the box, in the container of the box. Alors, d'abord, il y a le petit pochon. Ouais. Regardez, on a un joli pochon qui est là, marqué avec le tampon « Un chat dans l'aiguille ». On va peut-être faire un lien, un zoom un peu moins grand pour qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, donc, si vous l'ouvrez, donc le voilà. Pour l'instant, vous pouvez me voir comme ça. Le voilà, le petit pochon. Alors, attends. Si tu veux bien, on va te passer sur cette vue-là. Voilà. Ouais, pas de problème. Et puis moi, je vais te passer... Mais peut-être que ça suffira. Attends. Alors, si vous ouvrez le pochon, Marie, on va découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Oh. Ouais, alors, il y a plein de choses... Oh, que c'est joli. Et ouais, t'as pas vu, toi, ça. Mmh. Ouais. Alors, on fait un petit, une petite transition. Yes. Alors, vous avez à l'intérieur, je vous l'avais montré, le premier kit. Inside, you have the kit of this one. Avec donc tout... Oups, avec tout... Elle est à l'endroit. Avec tout à l'intérieur, hein, pour faire notre petite, pas notre petite, pour faire notre bouillotte, je cherchais le mot. Voilà, vous avez tout à l'intérieur. Vous avez aussi donc le kit du masque, el kit del mascara, et el kit por el masque. The kit, voilà, ouais, c'est ça, c'est celui-ci, hein, vous l'aviez vu sur mon nez. Alors, on a fait faire des cahiers replantables, donc, qui sont personnalisés et imprimés avec, avec nos dessins. Tu vois les couvertures, ben, en fait, quand ton cahier est terminé, si tu as envie, ben, tu peux le planter. Et puis, il y a des jolies fleurs qui vont pousser. Ouais, c'est chouette. I don't know how you say in English. Et, no sé cómo se dice en espagnol. Si quelqu'un peut nous le dire, hein, un cahier replantable. Donc, c'est pour noter toutes vos petites notes. Voilà, lorsque vous aurez utilisé toutes les pages et que vous déciderez de le recycler, vous pourrez planter la couverture avant et arrière, car elle contient des graines. Voilà, on a fait la même chose avec notre stylo, donc qui est personnalisé, hein, le stylo, le crayon un chat dans l'aiguille. Hein. Il est donc on l'insère dans un pot rempli de terre à l'extrémité où se trouvent les graines. Et là, on aura des petites graines qui vont pousser. Et puis, on a notre petit flyer aussi que Marion nous a travaillé, comme ceci. Avec un petit mot de bête de moi. Voilà. So you can plant the cover of the book once you are done and you will have some flower growing. Ah, merci Manon. C'est Manon qui m'envoie ça. Pouvez-vous déplier le grand morceau? Alors, douce aiguillon, on l'a déjà déplié dans le live de la semaine dernière. Alors, je peux le refaire. Il fait plus de 80 cm, hein. Voilà, donc vous avez largement de quoi. J'ai une brodeuse du groupe de broderie pendant le cours qui m'a dit qu'elle allait l'appliquer sur un coussin. Voyez, il fait plus de 80 cm. Voilà.
Est-ce qu'il sera possible de se procurer que le cahier? Non, 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 c'est que dans la box pour le coup. On peut pas tout faire. Voilà, donc les petits, tout ce qu'on fait faire, c'est spécial pour les box en fait. Hein. Voilà, mesdames, j'espère que ça vous plaira. So you have all inside the box and tenemos todos en la caja. Voilà. Ouais. J'imagine que les frais de port sont moins élevés maintenant que vous ne mettez plus dans une boîte. Alors oui, c'est aussi pour ça qu'on a supprimé, merci Marie, c'est pour ça qu'on a supprimé la boîte, hein, parce qu'en fait, les frais de port étaient très élevés. On était obligé de les envoyer sous un certain format, avec le nombre de centimètres, je crois que c'était du Colissimo, je ne sais plus. Mais là, du coup, on a décidé de passer sur un pochon. En plus, ce pochon, vous pouvez le réutiliser. Et puis surtout, Le broder, on peut le Ouais, broder. bien sûr, tu peux le broder. Et puis, oui, vos frais de port vont nettement diminuer. On le redonnera à l'ami Selva nous le faire. Voilà, j'espère que vous êtes contente. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous vendez le tissu de la couronne pour faire un coussin? Bien sûr, les tissus, ils sont vendus tout seuls, si vous le voulez. Le prix de la box Elle est pour... à 85 euros, la box. Ah, c'est moins cher que les box Ouais, étudiantes. ouais. Ben, on fait Ouais. attention. Alors, il y a peut-être un petit peu moins de choses, mais en tout cas, non, je crois pas. Si, il n'y a pas d'Easy Custo dans celle-ci, mais on est nettement moins cher que sur la box de Noël. On ne fait pas de box de Noël cette année. On a fait que cette box-là, en pensant que ça pouvait être aussi un cadeau à faire pour Ouais. Noël. Voilà. Marie peut peut-être s'approcher de toi maintenant. Oui, Marie, viens à côté de moi. Viens, ma jolie Marie. On rangera tout à l'heure. Voilà, donc ben, j'espère que tout ça vous a plu. Viens, mon amoureux, toi aussi. Ouais. Et on vous dit à bientôt. Et toi, t'es où, Marie? Pourquoi tu... Ouais, Ah, voilà, on ok. va te voir. Si, on la voit, voilà, on se voit tous Ouais, on derrière. voit Voilà. On vous Karim. dit merci pour tout. Merci Marion qui est derrière les écrans là, qui répond à toutes vos questions. Et Olé, je suis un peu décolletée, moi là. Oui. Et on vous donne rendez-vous. Donc c'est le 3, c'est ça? Ouais. C'est le mercredi. Est-ce que le mercredi, ce sera le 3? Ce sera plutôt le 2, non? Je sais pas. Marion, tu nous mets un petit commentaire. Ah, vous êtes toutes là encore avec nous? Ouais. Tout de suite. C'est le mercredi 2. El prox. Mercredi 2 Ok, novembre. el 2 de noviembre, miércoles 2 de noviembre, por el último live. And the last live is le 2 novembre, Wednesday. C'est ça, mon amoureux? Wednesday, c'est ça. Voilà. Je sais pas, t'as parlé pas en français, moi, j'ai pas Bisous. On compris. vous embrasse. On va aller célébrer l'anniversaire de Ah oui, ce Christelle. soir, on va aller boire un coup. Ouais. Ouh. Je vous embrasse. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Bisous. Bye bye. Ciao, ciao.